Et salut YouTube et bienvenue dans cette 40e VOD. Ça y est, on est au nombre 40, putain, on va finir VOD 700, ça continue quoi. Salut, donc bienvenue dans cette 40e VOD, donc 40 heures de jeu. On est rendu, on vient de ce matin, un deuxième boss qui était trop cool, qui était un soldat draconique. Et là, bah, je cherche des moyens de continuer l'aventure pour aller au temple d'Athéna qui est là-haut. Là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est là-haut que je veux aller. Donc il faut que je trouve, il y a des points de téléportation à droite, à gauche. Un de ces soirs, faudrait tous les faire en début de live pour rigoler. Putain, tu m'étonnes. Salut à tous, et salut à tous, et salut à tous. Ça devrait ressembler pas mal à ça. Est-ce que c'est là? Non, c'était pas là. Je cherche à retrouver... Alors, non, c'est là. C'est ici. C'est en haut de cette colonne. Ouais, je savais que t'allais me... Ah là 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 là, les trois flèches. 14 000 âmes de perdu. Tu changes de t-shirt pour rire, c'est ça. Ça va, c'est pas grave, on n'est pas loin. Oh, 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 calmez-vous là, calmez-vous, elles sont où mes âmes? Donc, ce point de TP là, placer une balise, on l'a. Donc on en a 1, 2, il y en avait un par là, là, 3, ça fait 3 points de TP. Moi, ce que je voudrais, c'est aller là. C'est là, j'ai été TP où avec celui-là? J'ai été TP là-haut. Ça, hein, c'était là-haut. C'est pas du tout là-haut qu'on a été TP. C'est où qu'on a été TP? Bon, on va y retourner. M'a téléporté ici. Ah mais... Attendez. Ah si, ça on y allait, ça on y allait, c'est bon. Donc ça me téléporte où? Ça m'a téléporté juste là, cette zone-là qu'on a faite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller là pour pouvoir avoir accès à ça. Donc j'arrive à trouver le téléporteur qui va m'emmener là-haut. J'ai peut-être raté un truc ici. C'est au-dessus là-bas que je vais aller, voilà. Exactement au-dessus. Et un œuf endormi, là il n'y a rien. Me permettre d'aller plus haut. J'ai dû rater des TP en bas. On va retourner en bas.
Mais au moins maintenant on est sûr. Là, là, il n'y en a pas un. Non, il n'y en a pas. Sinon plus, c'est de la flotte. Là où est le vent, ouais, peut-être qu'il y a un TP là-bas que j'ai raté, effectivement. On y retourne, t'as tout à fait raison, Eloéos. T'as tout à fait raison. En tout cas, à date, je trouve que c'est la plus belle zone du jeu, ici. Sans déconner, et de loin. Cette zone-là est juste magnifique. Donc le TP, il est là, ça c'est bon. TP qu'on peut prendre parce qu'il va nous emmener de l'autre côté là-bas. Beaucoup plus proche de là où on doit aller. Ça va nous permettre de faire un point et de corriger. Oui, non, c'est exactement là où j'avais dit qu'il est le TP. Ok, nickel. Là-haut, il y a l'air d'avoir un truc qu'on a raté. Allons voir. Très bien. Là-haut, est-ce qu'il y a quelque chose? Là, on repart dans le début, donc c'est pas là. J'ai récupéré mes 14 000 âmes. Où est-ce que ça peut bien être? Ah, là. Pile devant moi. Là, il y a un autre point de TP. Merde, non, je l'avais noté celui-là sur la map. T'avais noté sur la map, c'est pas celui-là. Chier. Est-ce qu'il y en a un autre par ici? Il me raconte d'autres histoires, lui, maintenant que j'ai... Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Regarde, juste là, là, en face de nous, déjà, il y a quelque chose que j'ai raté. Mais là, attends, mais là on peut pas y aller là normalement. Ok, oh, mais d'accord, mais ok, je viens de comprendre un truc avec les. Oh, je viens de piger un truc avec les. Avec ça là. En fonction de l'endroit où tu vas.
Putain, d'accord. En fonction de l'endroit où tu vas, en fait, il t'oriente. C'est un peu le pénitent le pass ici. Hein. Putain, j'aurais jamais dû venir ici. Ah, si j'ai. Si j'ai bien fait. Oh, putain, mais ça veut dire que ça passe par là aussi. Non, mais ils sont tarés, hein. Ils sont tarés. C'est des flèches encore. Bon, c'est pas ça, du coup. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai comme la sensation que ça se trouve. En fait, c'est plus dans ce décor-là. Genre, j'ai fait le. Pourtant, il y a ça, hein. Pourtant, il y a ça. Lui, il me dit rien d'autre ici. Lui, il me dit rien d'autre ici. Ça, celui-là, je l'ai balisé. Par ici, je pensais pas en avoir vu des points de TP. Hein. Parce que j'en ai vu, ça me rappelle rien. Non, non, je suis sûr de pas. Il y en avait pas ici. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Il y avait que ces trois-là, vous êtes en train de me dire? Face à la planque, il n'y en a pas non plus. J'ai dû faire le tour, hein. Là, on y est allé. Voilà, on l'a fait en long, en large, en travers. Ça ici. Il n'y a plus rien d'autre que ce qu'on a vu.
bêtises pareilles. Ce château-là, là, il n'y a pas moyen d'y monter pour l'instant. Et qu'en vrai... je sais pas où c'est. Je pense qu'on... Soit on a fait le tour de ce monde-là et on va trouver un autre puits qui va nous emmener ailleurs. C'est possible que ce soit ça. Revenir à la surface par ici. C'est étonnant quand même, j'aurais été persuadé qu'on trouverait un autre moyen. Alors je viens peut-être de voir un passage. Quand on descend avec le premier ascenseur, j'ai eu l'impression qu'il y avait un monde intermédiaire. Peut-être. On va tester. C'est facile d'y revenir au premier ascenseur. Il y a deux solutions, attends. Il y a deux solutions. La première solution, c'est d'aller... retourner là. Non, c'était où? Oui, c'est ça. Retourner ici. Alors. C'est pas exactement ici, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il y a le deuxième gars. Parce qu'il y a trois gars pour cette mission. Il y a l'homme loup, qu'on vient de voir. Et il y a le gros forgeron qui est là, qui est ici. May I serve you as war counselor or as blacksmith? À propos de Necron, voilà. Et à propos de Blade. I take it you've heard of the Eternal City of Noxtella. Well, it has a twin, known as Nokron. The other Eternal City. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron. Voilà. By going underground through the well in the Mistwood of Limgrave. You can see Nokron up above. Only we've failed to find a path leading to the city. Mm-hmm. Blythe's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped. To be honest, I'm not sure where to go from here. Voilà. I take it you've heard. Ah, merde. Non, c'était pas ça. By going only Blythe, to be honest. Blythe is Lady Rani's stepbrother. Rani's mother, Queen Renala, approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blythe for me, will you? The man is honest to a fault. But fortunately, now he has you. I take it you've heard of the Eternal City of Well. It after years of expedition by going underground. Only we've lied, to be honest. Ok, fait que... fait que donc lui ne sait pas où est non plus l'entrée de la ville. Donc c'est la ville de Necron où on est. Et donc l'entrée, la seule entrée connue pour l'instant, elle est là-dedans. C'est ça. Le puits de, ce, de Sophia. Mais du coup... Du coup... Alors, on va y retourner, parce qu'effectivement, tu as peut-être raison.
Peut-être que dans le premier ascenseur, il y a un autre passage que j'ai pas fait, que j'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Ou peut-être que simplement, c'est pour plus tard. Hein. Des fois, on est trop pressé, on veut trop faire vite là-dessus. Et en fait, voilà, l'entrée... C'est cool, du coup les indications on peut les avoir par lui. Ou alors la dernière solution c'est qu'en fait une fois qu'on ait fait tout ça, faut qu'on retourne voir la sorcière qui est là. La tour de... qu'on retourne voir Rami. Ah et non mais on a Reyna à aller voir aussi. Putain en fait il y a trop de trucs à faire encore. Bon on va tenter vite fait de... Il remonte le truc ou pas? Je sais pas s'il remonte, mais il prend du temps. Hein. Ouais, il remonte. Et voilà. Alors, quand on descend dans l'ascenseur, j'ai l'impression que le premier, il y avait un monde intermédiaire. Oui, je suis d'accord avec toi. Reste juste à pas le manquer. Est-ce qu'il y a moyen de sauter là? Non, il n'y a pas moyen de sauter là. C'est là, là. Putain. Et là, on arrive dans le bas. C'est un monde qui est labyrinthique, mais en hauteur. Donc, ça se trouve... Ça se trouve, t'as raison, il y a peut-être des raccourcis à droite, à gauche. Alors, attends. Ah, cette première partie, on peut pas y aller, d'accord. On peut y aller à cheval. On veut se la retaper, du coup. Pas forcément, hein. Faut peut-être directement aller là. Et aller... ici. En vrai, si j'avais pas 14 000 âmes, j'aurais tenté de sauter de l'ascenseur, mais ça, ça me ferait chier de les perdre, là. Ok, là on peut plus. Là, on peut plus utiliser. Voilà. Ouais, non, le mur est vachement plus haut en fait. Ça, ça descend. Ça, voir. Est-ce qu'il y a... Il y a quelque chose par ici que j'aurais raté.
Ah non, là... Là, là, y a rien, là. Là, c'est trop petit. L'ascenseur n'est pas assez haut pour qu'il y ait un deuxième passage. Là-bas, là, tu veux dire? Cette tour, qu'elle soit vide, ça m'épate. Ouais, non, et après ça redescend, donc non, non, c'est pas ça non plus. Non, pour moi, c'est pas ici. Oh merde. Moi, c'est pas ici. On va remonter. Je vais juste essayer de faire ça vite fait. Ah, c'était bon. C'est gratuit. Voilà. Je vais aller aux deux églises. Toi. Voilà. Et toi. Parfait. 16 000 âmes. Mais la zone est gigantesque, hein, n'empêche. La zone est vraiment, vraiment grande. Donc, souvent, ce qu'ils font dans ce jeu-là, dans ce genre de jeu, dans les Dark Souls et tout, c'est que tu as une zone comme ça, gigantesque, et puis à un moment, tu tombes sur un chemin qui va te ramener à cet endroit-là. Par exemple, il y a un autre endroit dont je me souviens. Où on n'est jamais retourné. C'est dans le château de Voile Orage. Il y a un deuxième ascenseur et celui-là on l'a jamais trouvé. Et ce deuxième ascenseur amène à je sais pas où du coup, mais on voyait qu'il y avait une espèce de crypte souterraine. Et donc dans ces souterrains-là, il y a peut-être un accès à cette ville. Encore une fois. J'essaie de voir s'il y a moyen de jumper là, là. Il y a peut-être moyen de jumper là.
Donc on voulait aller ici, on veut aller là. Salut Lynn Catel, salut, je viens voir des streamers pour leur demander s'ils ont besoin d'aide pour le développement de la chaîne. Aurais-tu besoin d'aide? C'est une question à choix, c'est une question à choix multiple. Et merci pour le follow. Alors je te dirais que dans l'absolu on a toujours besoin d'aide pour le développement d'une chaîne. Après après tout dépend de la manière dont c'est fait. Alors les modos, moi j'ai pour règle de prendre des modos que je connais, un minimum, et qui ne sont pas des streamers, et qui ne sont pas modos chez d'autres. Donc du coup c'est un peu chaud. Ça se fait pas du jour au lendemain être modo chez moi. Les commandes, non, pas forcément. Ça j'en ai pas besoin, mais... Et voilà. Et merci pour ton follow d'ailleurs. Mais toi, d'un autre côté, toi, tu cherches des, tu deviens modo sans, sur des chaînes sans les connaître? C'est un peu étrange. Ok, c'est par là. Donc, cette église. Cette église, est-ce qu'on peut y rentrer maintenant? Donc la princesse, elle nous dit rien. C'est étonnant quand même. Ça voudrait dire... Si elle nous dit rien, ça veut dire qu'on n'a pas débloqué encore le truc. Ici. Est-ce qu'on débloque... Est-ce qu'on a débloqué quoi que ce soit là? Là, j'avoue être un peu bloqué. Donc, c'est pas là. Ok, le point suivant où je voulais aller, c'était ici. Château de Voilorage. Falaise de Voilorage. Et Shoguette, ce serait là plutôt. La chambre à côté de l'ascenseur. C'est comme ça que je vois. Que... On va essayer de se débloquer parce que, en vrai. Regardez. Donc. Ici, là, on a un ascenseur qui finalement nous a amené vers le boss. Là, là, on a cette porte. Porte qui ne peut pas s'ouvrir pour l'instant. Ok. Et ici, on a un deuxième ascenseur qu'on n'a pas débloqué. Alors, à l'époque, quand, quand on est arrivé là, je ne savais pas qu'on avait la possibilité avec des clés de pierre de débloquer des... de débloquer des endroits. Donc si ça se trouve, il y a une clé de pierre que j'avais pas vue là. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on était là. Regarde. Ne bouge pas. Celui-là, il va bas en tabarnak, celui-là. Donc si c'est pas ça, si tu veux, après derrière, il y avait un autre coin qui est là. Qui nous permettait d'aller ici. Dans la salle de... Ça c'était la salle du...
Voilà, ça nous a amené là. Et ici, après m'être débarrassé de ce petit con. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça là-dessous. Voilà. Tout ce coin-là, là, on n'y est pas allé là. Regardez. Ça ressemblerait presque à la suite, quoi. À ceci près que je sais pas du tout comment on y va. Donc, si ça se trouve... Ici, c'est quoi? Voilà, ici, ça amène là. Là, ici, ça amène là-haut. Là-haut, il y a lui. Voilà. Et de l'autre côté, ça mène... ça mène dans ce coin-là. On va remonter parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir raté des trucs, en fait, à côté de ce château. Je commence à me dire que j'ai peut-être... Parce que là, là, il y a ça, par exemple. Ça, ça n'ouvre pas de ce côté-là. Donc déjà, ce passage-là, j'y suis pas allé. Ce passage là pour y aller, soit on passe, non c'est pas par là, soit on passe par là, on passe par là, voilà. Ça amène. Ça amène de ce côté là. De ce côté-là, on a ça. Voilà, c'est ça. On a ça où on peut grimper. Il nous ramène sur les toits. Et des toits, on peut tomber ici. Exactement. Voilà. Ça, ça va nous amener de l'autre côté, là. Voilà. C'est toujours pas la bonne porte. Pour avoir accès à cette porte là-bas. Comment on a accès à cette porte là-bas? C'est pas possible. Par là. Ah si, c'est ça. Voilà. Là, on a eu accès à cette porte qui était bloquée. Finalement, ça n'est pas au bon endroit. Si on repart par là, on fait le château à l'envers, en fait. C'est quoi ce casque? Il est trop bien ce casque, il est trop stylé. Merci Zaltaria. Et où déjà? Là, ça, c'est le château de Voilorage. Merci Zaltaria pour ton follow, merci beaucoup. Et bienvenue à toi. N'hésite pas si t'as des questions d'ailleurs. Là, ici il y avait eux deux là qui nous ont emmerdé pendant. Il est encore capable de nous faire chier lui hein. Allez dégage.
Ici, il y avait quelqu'un, mais il n'est plus là. Bon. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est que là, là... Là, je sais plus trop où aller. Donc, c'est pas là. Si c'est pas là, ce serait peut-être là. Ce serait peut-être là, parce que là, on avait un TP pour aller de l'autre côté. En fait, il y a plein de choses que j'ai laissées en point d'interrogation en me disant « Ça doit être par là, peut-être un jour on ira. » Et en fait, je l'ai... Attends. Attendez, là. On va peut-être se le prendre, ce petit level qu'on a avant de mourir bêtement. Allez, un petit peu tendu. Voilà. C'est fou, hein, regardez. Le trait bleu, là, c'est le point que j'ai mis dans la ville de Necron en dessous. Donc ça veut dire qu'en fait, Necron, c'est vraiment juste en dessous de ce pont. Putain, ils sont re-là, eux. C'est pas vrai, mais quel enfer. Il a plus de vie. Ah là 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 là. Allez, dégage. Voilà. Ok, il en reste un troisième qui est là-bas. Merci Dream pour le follow, merci beaucoup. Oh putain, mais sérieux. Y a-tu un modo dans le chat pour me ban Dream, s'il vous plaît? Voilà. Merci pour le follow alors. Ouais. Allez, dégage. Voilà. Donc ici, il y avait ce point de TP qui amenait à la tour là-bas. Et cette tour-là... Salut, re-run. Yes! Yes, ça s'ouvre maintenant. Ça s'ouvrait pas tout à l'heure. Voilà, et c'est là, je pense, qu'on peut révéler les... C'est un ascenseur.
Bon allez, je passais juste faire un petit coucou avant d'aller me coucher. Des bisous qu'ils aident. Voilà. Là, perso, on n'y est jamais allé. Restaurer le pouvoir d'une rune majeure. Voilà. Et donc ça, c'est fait. Reste à savoir à quoi ça sert, les runes majeures. À quoi ça sert les runes majeures? Permet de perfectionner la renaissance. Aide. Le nombre d'exemplaires de cet objet que vous possédez. Oui, non, mais merci. Bon, bah c'était pas ça. C'était pas ça. La Renaissance, c'est le boss de l'académie qui le propose. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, réfléchissons de manière logique. Tout ça, là, c'est fait. Ici, on n'y est pas allé du tout. Donc là, il doit y avoir quelque chose à faire. On connaît rien, là. On connaît rien de cette zone. On va aller par là. On va aller là. On va voir. Marcus, t'es dans le chat, toi? Ouais, c'était dans le chat. Je savoir si, si tu l'as... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Allez voir ça, là. Je sais pas ce que c'est. En fait, on voit une carte, mais il y a plein de couches. Non, mais grave. Le jeu est complètement dingue pour ça. Ah, c'est là. C'est là que je voulais aller. Les deux boss. J'ai battu deux boss en bas. Mais justement, après les avoir battus, j'ai pas...
Utilisez le télescope aquilin de chaque zone pour avoir une vue à vol d'oiseau du paysage. Oh, trop bien! Ce château-là, on l'a fait. Toute cette zone-là, on l'a fait. On l'a faite. C'est là-haut qu'on n'est pas allé. Cette grosse église de merde, là. Comment on va pouvoir y aller? On va pouvoir y aller en passant par ce trou, je pense. Hein. Et allez, go. C'est par là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bougie. Super. Qui est boss, il est où? Ou toi là? Toi, je vais te faire ta fête là. Pas trop galéré, moi j'ai pas réussi du tout. Ah si, moi c'est bon, c'est tout fait. Et en fait, je suis bloqué, justement. Je suis bloqué parce que... Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux en hauteur dans, dans cet endroit-là, en bas. Et dans cette ville, dans la ville de Necron. Et du coup, je n'ai pas réussi à aller en hauteur. J'ai réussi à trouver des points de téléportation qui m'ont amené à certains endroits. Mais j'ai trouvé que 3 points de téléportation et un courant d'air pour pouvoir arriver à monter plus haut. Ça n'a pas suffi. Oui, il est là. Non, il est pas là. J'avais pas vu qu'il y avait un feu de camp ici. Hein? Allez, il est où le boss? Et il est passé où le boss? Eh mais reviens le boss là! Comment ça le boss s'est enfui? Est-ce que vous pensez qu'il sort que la nuit? Ça se trouve, c'est ça. Hello. Hello. Please. Over here. Hello. It's rather chilly here, isn't it? My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian. And now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand, perhaps? That thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Okay. Only, he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Oh, thank you dearly. What a blessing that we've met. Quelle chance de vous avoir rencontré ainsi. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Je pense que je l'ai déjà, non? The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please,
Une maison abandonnée plus loin sur le chemin. Elle serait où cette baraque abandonnée? Elle est là. De nuit, je pense, ce boss. Ouais, ouais, ouais. What the hell is wrong with you? You trying to start some piss off? Ah, that necklace, what you're after, is it? Hmm. Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes, and don't try nothing, neither. Oh, 1000 runes, mais ça va. All right. Take it. Things no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Impeccable, ça. 1000 runes. Allez, très bien. C'était où? C'est là-bas. Ouais, c'est probablement la nuit, on va essayer de se le retaper la nuit. Mais putain, mais ça veut dire qu'on a dû rater tellement de boss à force. Bien, ton pendentif. That is my missing necklace. Ouais, je sais. Kindly. Mais de rien. I am in your debt. Did I forget to announce myself? I am Raya, in the service of Lady Tanith of the Volcano Manor. I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Invitation au manoir, merci. Brave Tarn, please stop, brave Tarnished. You will only tire by striking this barrier. Le manoir, c'était quoi déjà? Le manoir, c'était... C'est pas ça là, non. Ruine du domaine royal. Manoir de Caria, c'était pas ça? Elle a dit que c'était quoi? Attends, inventaire. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Faudrait que je revende des trucs, j'ai trop de trucs. Voilà. Manoir de, du volcan. Manoir du volcan, il serait où le manoir du volcan? Dans un volcan? Merci. Flamboyante, ça devrait être par là en fait. Ok, bon, bah, je l'ai pas encore trouvé, mais je le trouverai plus tard. Ça, c'est cool. Du coup, on a là. On a là aussi, qu'on n'a pas fait. Pas trop dur ce jeu ? Exigeant. Exigeant, mais un super jeu en fait. Qui est un jeu magnifique surtout. Donc, ça, c'est pas. Ça, on l'a fait. Et ici, voilà. Il nous fallait une clé pour là. Vous n'avez pas de clé lame imprégnée dans l'inventaire. Merde, c'est une clé lame imprégnée qu'il nous faut.
Allons-y. Et dommage, c'était pas le bon. C'était pas le bon. Mais non, mais je fais n'importe quoi. En plus, on avait dit qu'on allait aller à cette église-là. Comment tu vas, Stellar? Alors, je sais pas si t'as déjà fait des Dark Souls, des Bloodborne, des choses comme ça. I could I possess, or have you come to take more from was my other? C'était pas là, donc c'est fatalement ici. Parce que ça là, ouais, c'est ça, il faut passer par la caverne en fait, c'est sûr. C'est sûr de sûr. Ok, je suis re-ici. Ouais, je suis re-ici. Parfait, on va attendre la nuit, on va essayer d'aller se taper le boss. Il m'a tué. Il m'a tué. Il m'a piqué avec son bec, ça m'a tué. Les amis, on est rendu à une heure de VOD, fait qu'on va s'arrêter pour cette VOD là. On n'a toujours pas trouvé la solution à notre problème. Twitch, ne bougez pas. YouTube, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine VOD dès demain. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette VOD. Et bisous, bye bye.